Les carpes essayent de sortir, mais on a bien fait de mettre du grillage. Par contre, les carassins, bah oui, ils essayent de rentrer. Les carassins, ils retournent dans la rivière. Hop. Voilà un peu le grillage qu'on a posé cet après-midi avec des amis. Donc je vous fais un peu tout le tour. Un grillage qui fait tout le tour de la réserve. Donc quelques centaines, plusieurs centaines de mètres de grillage. Néanmoins, les poissons restent dans la réserve. Elles ne vont pas dans le bief à côté. Là-bas, j'ai l'impression que c'est festival. Je vais approcher doucement pour essayer de vous les faire voir. Tout à l'heure, il y avait un joli amour albinos aussi. Oh, elle est magnifique, une foulie en plus là. Oh. Oh. Une linéaire là, magnifique. Ouais. Quelques petites cartes, mais encore une carte linéaire d'ailleurs. Je vais leur marcher dessus. Ah, ça font plaisir, hein, ils ont pris une nouvelle zone. Tiens, j'ai une qui était dans le grillage là. Hop là. Et là-bas, c'est festival aussi. Il y a même une koi qui me dit pas grand-chose. Je vais la faire là avec les cartes. Je vais prendre la douche, j'y sens bien. Oh la mémère là. Oh le machin. Et voilà. Je vais vite faire un petit tour de la réserve. Qui est deux fois plus grande que d'habitude. Il y a qu'un grillage qui part de là-bas, on voit pas bien, et qui fait tout le tour de partout. Voilà. Par chance, enfin, l'eau en 2 heures a baissé de 1,5 cm. Donc, c'est enfin sur la bonne voie. Voilà. Après une nuit de stress, à lutter contre la montée des eaux, une après-midi avec pas mal d'amis qui sont venus m'aider. Voilà, le plus gros danger est écarté. Et enfin, place au soleil. Allez, je vous fais voir cette dernière koi. Et voilà. Allez, je vous dis bonne soirée et à bientôt.